Alors, donc, tu habites où? Dans quelle ville? Sinon, continue, j'adore tes vidéos. Merci de ton soutien. Et puis, j'habite donc 6-9, c'est Lyon. Voilà, c'est pas la position. J'ai pas mis 6-9 pour la position. Certains ont cru à ça, mais bon, c'est. Voilà, peut-être aussi c'est venu de là, je sais pas. Et tu habites où? Ben, on va dire vers le centre-ville de Lyon. Voilà, ça, c'est dit. Avez des questions ou des petits trucs comme ça, en fait, dans chaque début de vidéo, je ferai afficher eh bien votre question ou votre truc comme ça, quoi, comme j'ai dit, tu vois. Donc, si t'es intéressé, bah écoute, n'hésite pas. Aujourd'hui, on va donc parler à propos du jeu GTA V avec quelques petites informations très légères. Alors, déjà, première petite chose, je mettrai le lien dans la description à propos d'une vidéo où c'est des mods au niveau des armes, dont deux armes. Donc, une arme, je vais vous faire afficher sur l'écran qui est une arme, une sorte de immense god matraque, hein, on peut appeler ça comme ça, qui va être le Pénétrator, ça s'intitule de cette façon-là, une machette. Et voilà, une autre arme aussi, ils appellent ça le Dangerous Sinboard. Donc ça, c'est trois petites armes assez drôles par un youtubeur assez connu qui fait des mods et tout. Surtout, en fait, le Pénétrator, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi, avec la liaison avec le 6-9. Hein. Et ouais, mec. On parle aussi du DLC Independence Day, DLC 2, number 2, qui, alors normalement, enfin beaucoup de youtubeurs ont parlé à ce que ça sorte aujourd'hui, mais là pour l'instant je vois absolument rien. Donc si c'est pas aujourd'hui ou cet après-midi, mais là on est déjà un peu l'après-midi, donc normalement ça sera reporté pour le 4 juillet. En tout cas, si vraiment il y a un DLC Independence Day, ça sera pour le 4 juillet. Voilà. C'est toujours un petit bonus, hein, les DLC comme ça gratos, ça fait toujours du bien, hein, parce que maintenant, bah, c'est un peu compliqué avec les shared cards et tout, là où tu payes une tonne d'argent, ou alors tu glitches, mais tu peux te faire bannir comme moi, je me suis fait bannir il n'y a pas longtemps, avec peut-être certainement le retour du Liberator Truck et du Western Sovereign Bike, qui devront normalement faire leur retour. Je vais aussi vous parler, alors là franchement, c'est rien à voir comparé à la première vidéo, donc le lien aussi sera dans la description, une magnifique vidéo. Montage avec, enfin vraiment en montrant, enfin il montre vraiment la qualité du sort de, bah, en fait du mode éditeur de Rockstar sur les nouvelles générations, enfin non sur la plateforme PC, excusez-moi, puisqu'elle arrivera très bientôt sur les nouvelles générations de consoles comme la PS4 ou la Xbox One, où on peut voir donc une sorte de petite compilation de Jurassic Park, de Terminator si je dis pas de bêtises et de d'autres films. Donc en gros ils vont reprendre des petites séquences de ces films-là, ils vont essayer de les reproduire dans GTA V avec le bien sûr le son et tout. Et j'ai trouvé ça super bien foutu. Donc franchement regardez ça, franchement ça vaut vraiment le coup de jeter un petit coup d'œil. Pour rappel aussi que je suis la personne qui gère une chaîne communautaire spécialement dans les jeux développés en fait par Rockstar, mais spécialement dans le GTA en fait. Et si vous voulez savoir comment avoir un mode menu, comment, enfin voilà, avoir des vidéos assez délirantes ou des trucs comme ça, je mettrai aussi le lien de la chaîne communautaire qui a quand même 60 000 abonnés, c'est pas rien. Je tenais aussi à vous remercier au fond du cœur. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va pas super bien. Enfin aujourd'hui en gros c'était un peu ma dernière journée d'école parce que j'avais juste un petit examen à la con d'oral à faire et au retour. Bah, je me suis fait contrôler par la police et puis je me suis pris une amende de 90 €. Voilà. Ça, je suis fier de moi. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page personnelle. N'hésitez pas à mettre un petit truc dans la barre des commentaires, comme ça, peut-être vous serez dans ma prochaine vidéo. Ouais. Peace out.